Comment surmonter les blocages mentaux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche juste en bas, comme ça tu es sûr de ne manquer aucune vidéo. Et tu peux aussi mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et sens-toi libre également de regarder dans la description puisque tu verras qu'il y a des cadeaux spécialement pour toi. Alors maintenant, comment surmonter les blocages mentaux? On va voir ça en 3 points. Parfois, tu t'entraînes énormément, tu arrives en compétition alors que tu sais que tu as du potentiel, tu sais que tu peux faire mieux, mais tu sais pas pourquoi finalement t'es bridé, tu as peur du regard des autres, tu es déçu de toi-même parce que tu sais que tu peux faire mieux et tu n'arrives pas à être satisfait de toi-même parce que tu sais que tu peux avoir des résultats à la hauteur de ton potentiel. Et donc, tu as peut-être essayé des tas de techniques de plus t'entraîner, de t'entraîner différemment, même de changer de club, de coach, ou même de changer ton alimentation et pour autant, tu n'arrives pas à passer ce plafond de verre. Eh bien, c'est bien simple. Le premier point déjà, c'est encore une fois revenir à la base de la base de la base. Nous ne sommes pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et l'être humain, il est fait de pensées et d'émotions. Et en fonction de comment nous avons grandi dans la vie, eh bien, nous avons emmagasiné des croyances qui sont stockées dans le subconscient. Et chaque croyance que l'on va avoir, qui est, on va dire, limitante, va venir se répéter jusqu'à temps que l'on intègre l'expérience de manière complète afin de nous libérer. Donc ça, c'est le premier point de juste se dire que les blocages, ils sont OK et que tout le monde sur cette terre a des blocages émotionnels. C'est-à-dire que je ne connais pas un être humain sur cette terre, si on va lui parler en profondeur, qui n'a pas de blocage dans un de ces catégories de vie. C'est juste que certains des blocage d'un point de vue plus complexe et d'autres d'un point de vue plus simple, mais tout le monde en a et ça fait juste partie du jeu. Et d'ailleurs, quand les performeurs, donc sportifs de haut niveau, qui sont habitués à être vus par l'entourage comme des gens d'hyper confiants, hyper sûrs d'eux, etc., arrivent dans le programme en se disant « mais c'est la première fois que j'en parle, même mon coach n'est pas au courant parce que j'ai l'impression d'être faible ou je sens qu'il y a une faille en moi », Et bien du coup, juste en arrivant dans le programme et découvrir qu'il y a aujourd'hui 150, 160 athlètes qui sont dans ce programme, dans le groupe Facebook, ils disent « Waouh, mais en fait, je suis pas seul ». Et quand j'en parle avec certains, ils disent « Mais c'est dingue parce que je pensais déjà, je croyais que j'étais seul et ça fait juste du bien de voir que je suis pas seul ». Donc, si tu as un blocage aujourd'hui émotionnel, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et rien que le fait de te dire que c'est naturel d'avoir des blocages, mais peu de personnes vont les admettre. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir peur d'être jugés de faibles. Eh bien, du coup, on se les cache et on perd du temps. Alors que si tu te dis, de toute façon, je sais, et moi aujourd'hui, je dépense des milliers d'euros avec des grands mentors, des gens qui sont comme le docteur John de Martini, qui sont reconnus pour être l'expert numéro 1 sur le comportement humain au monde et qui lui-même le dit ouvertement, moi aussi, j'ai des challenges dans ma vie. Déjà, ça rassure et on se dit « Ok, je suis comme tout le monde, j'ai des blocages, sauf qu'il y en a qui vont les cacher, d'autres les accepter. » Et plus tu vas accepter très vite que tu as un blocage et il y a un truc, un grain de sable qui t'empêche d'avancer comme tu veux, plus tu vas pouvoir l'enlever rapidement et pouvoir t'autoriser à exploiter, à exprimer tout ton potentiel, toute ta puissance. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça m'amène sur le deuxième point de dire que de revenir sur le but de la vie. Le but de la vie en tant qu'être humain, en tant qu'être, c'est quoi? C'est d'être là pour croître, évoluer. C'est l'étymologie même du verbe être, c'est de croître, pousser. Donc, tu es là pour pousser. Et pour pousser, comme un arbre qui pousse, il a besoin du soutien d'un côté, c'est-à-dire que ce soit confortable, et aussi du challenge de l'autre côté, c'est-à-dire le vent qui va venir muscler son tronc. Et toi, c'est la même chose. Toi, pour t'aider à grandir, tu vas avoir des blocages qui vont être là, et tu vas avoir du soutien d'un côté et du challenge pour t'aider à te dépasser, à accepter une partie de toi-même et de devenir de plus en plus toi-même. Ça, c'est la deuxième étape. Et donc, quoi que tu fasses dans la vie, à un moment donné, tu auras des blocages qui seront d'un niveau de complexité. Une fois qu'on a réglé les blocages émotionnels du type « regarde les autres, ils vont penser quoi de moi, j'ai peur d'échouer » et que ça, tu commences à en avoir rien à faire de tout ça, tu auras accès à des blocages d'une complexité supérieure qui vont être encore être meilleurs dans ton domaine de vie. Et si tu es entrepreneur, ça va être mince, là je suis en train de grandir mon entreprise, il va falloir que je commence à co-créer avec d'autres personnes, à créer une équipe. Et donc, c'est des blocages qui commencent
émotionnels, des challenges, du coup ça se transforme en challenges émotionnels qui sont juste de plus en plus complexes. Et c'est ok puisque c'est le jeu, c'est un des buts de la vie, c'est de gérer des problèmes de plus en plus complexes, rien d'autre. Et c'est pas comme certains vendent d'être dans le positif, etc. Non, c'est d'être dans cette phase entre soutien de challenge, juste d'évoluer, d'être dans le bien-être, de faire ton chemin et c'est tout. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et enfin, le troisième point, si tu as envie de surmonter un blocage émotionnel, bah c'est va voir les bonnes personnes. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'être humain, tu es limité en temps, en pensée, en énergie et en argent. Et bah le temps, c'est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Alors que moi, j'ai capté aujourd'hui qu'en allant voir les gens qui avaient fait le chemin avant moi, j'allais gagner quoi ? Énormément de temps. Et plus tu vas faire ça, tu vas voir quelqu'un qui a transcendé ce que toi, tu cherches à transcender. Du coup, il a les séquences pour t'emmener du point A au point B. Et du coup, ce que tu aurais mis tout seul à dépasser en peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour certains et d'autres. T'imagines, il y a des performeurs dans le programme qui ont plus de 60 ans aujourd'hui qui viennent avec un blocage qui traîne depuis tout petit. Du coup, qui les empêche de passer au blocage supérieur. Alors que quand toi, tu fais preuve d'intelligence, tu dis « je vais gagner du temps et je vais prendre quelqu'un qui a transcender ce que j'ai à transcender », bah du coup, nous aujourd'hui, dans le programme High Performer Academy, on fait ça en maximum 3 mois, on fait péter le blocage et tu passes à autre chose de manière définitive et durable et tu peux vraiment être toi-même d'être toi-même en toute liberté. Donc pour résumer cette vidéo, le premier point c'est 1, tu n'es pas seul. Il y a d'autres, chaque être humain a des blocages, il y en a qui vont les admettre ou pas. 2, les blocages font partie du jeu et on est sur cette terre pour apprendre à régler des problèmes de plus en plus complexes. Et 3, enfin, persévère, pousse parce que tu peux aujourd'hui régler n'importe quel blocage émotionnel et va voir les bonnes personnes, entoure-toi des personnes qui seront là pour te comprendre et pour t'aider rapidement à passer du point A au point B sans jugement. Et voici pour cette vidéo, alors pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pense aussi à la partager autour de toi si ça peut aider d'autres performeurs. Et également si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu peux réserver un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Où ce rendez-vous, on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller et comment y aller le plus rapidement possible en explosant les blocages. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !